Coucou les amis Lyon, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de septembre 2024. Alors, avec la féminité sacrée, on va aller voir votre énergie générale. Hop, et ben elle tombe. Et on est avec la petite voix intérieure. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Donc, on va entendre cette petite voix, on va peut-être l'écouter. On va peut-être être à l'écoute de son intériorité, de ses désirs, de son plaisir, de ses envies, voyez. On nous dit, il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Voilà. Donc, on va enfin écouter cette petite voix intérieure. Peut-être cette voix intérieure, elle est triste. Peut-être qu'elle a quelque chose à libérer. Peut-être qu'elle a quelque chose à exprimer. On est dans la gestion des émotions, hein, carrément, hein, d'accord. On est dans l'expression de soi. Peut-être que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait attention à ce qui se passait. Peut-être qu'au mois de septembre, on va décider, les lions, de se prendre en main, de s'écouter, de s'accepter, et puis d'écouter justement ce que notre intériorité a à nous dire, d'accord. Ok, on met une petite carte de l'oracle des miroirs par-dessus. Qu'est-ce qu'on rajoute? Regardez, la naissance. On parle toujours d'un enfant, peut-être enfant intérieur, d'accord. On est en référence avec son enfance. Peut-être qu'on a un désir de faire des enfants aussi, hein, peut-être. Et donc, ça nous renvoie. On fait une transposition sur notre enfance, comment on l'a vécu, quelles sont peut-être nos problématiques. Qui reste encore engrangé dans notre vie d'adulte et sur lesquels il faut peut-être travailler, hein, d'accord. Bon, on va voir tout ça. Avec la triade, on va aller voir le domaine de l'amour. Alors, hop là, ok. Regardez, l'ordre, et c'est dicté par là-haut, d'accord. Une leçon, quelque chose qui est écrit. L'ordre divin, bien sûr, hein. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le mensonge. Et puis, on a le temps. Ok, donc avec ces trois cartes, regardez, si j'arrive à les tenir toutes les trois. Voilà, on a l'ordre divin. L'ordre divin, ce sont les anges gardiens, peut-être le divin en tout cas, qui sonne l'alerte, l'alarme, et qui dit, c'est l'heure, il y a quelque chose d'écrit dans ta vie, tu dois le vivre maintenant, c'est maintenant, d'accord. Donc il y a quelque chose qui sonne et qui doit être libéré peut-être maintenant, d'accord. Bon, on va développer ça. Là on a l'idée du mensonge. Donc en général cette carte elle est là pour nous dire qu'il y a quelque chose dans notre intériorité justement qui n'est pas clair, qui n'est pas sain. Peut-être on se ment à soi-même, on est dans le déni, on ne veut pas voir la réalité, voyez, donc on se trahit soi-même, ok. Bon. Et puis on a la carte du temps. Le temps nous parle de prendre le temps, d'avoir aussi cette patience de travailler sur le passé, d'accord. Bon, on va développer avec les miroirs. On va mettre une petite carte supplémentaire sur chaque. Eh bien, ça parle tout seul. Voilà. Ok. Ça parle tout seul. Alors, regardez. L'ordre, c'est-à-dire, il est temps. C'est maintenant que les choses doivent changer. Qu'on doit écouter sa voix intérieure et on doit faire des actions en corrélation avec ce que l'on ressent, ce que l'on entend dans cette voix. Voyez. Et on doit changer de destination. On doit changer, on doit faire des choix, on doit s'orienter différemment, d'accord. Ok. Sur ce mensonge, sur ce déni peut-être que l'on vit, sur ce voile qu'il y a sur nos yeux, d'accord, qui nous tronque la réalité, eh bien, on met l'hérédité. Donc, l'hérédité, c'est comme si vous suiviez une ligne transgénérationnelle de vos ancêtres. Ça a toujours été comme ça. Peut-être dans notre famille, il y a toujours eu des tabous, il y a des choses qu'on n'a jamais dit, on ne s'est jamais dit je t'aime, on ne s'est jamais dit félicitations, on ne s'est jamais dit
On n'a jamais parlé d'amour, peut-être. Là, on est dans le domaine de l'amour, hein. Donc, le mensonge, c'est se mentir à soi-même. C'est peut-être ne pas s'écouter, hein. Et ne pas écouter sa voix intérieure, c'est ne pas se respecter aussi, hein. Mais je suis dans le mensonge parce que j'ai jamais vu mes parents le faire, par exemple. Voyez, donc il y a quelque chose de transgénérationnel dans votre guidance, les amis. Et puis le temps qui nous vient du passé, faire un examen peut-être de conscience dans le passé, comment j'ai été, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai réagi, quel a été mon comportement. Moi, enfant par exemple, comment je me suis comportée, ben, en fait, je m'aperçois que j'ai suivi aussi cette lignée, hein, de mes parents. Hein. Quand on est enfant, on prend juste les modèles de nos parents, de nos figures adultes, nos figures parentales qui sont autour de nous, qui nous éduquent, qui nous éveillent, qui nous protègent, qui nous mettent en sécurité, voyez. Et donc, on retransmet tout simplement ce que l'on a vu autour de nous. Donc, voilà, cet examen de conscience, il est là, il parle du passé, hein, des choses du passé. On va prendre conscience justement au mois de septembre de certaines choses qui sont là, que l'on... qui sont présentes, qui nous gênent peut-être, qui nous freinent dans nos actions. Et c'est maintenant qu'il va y avoir des prises de conscience pour accueillir des nouveaux changements, bien entendu, hein. Ok, avec le rêve du chaman, on va aller voir au niveau de la famille. Ok, alors on est beaucoup, beaucoup dans la, dans le souvenir. Ok. Allez, on a deux cartes, regardez, au niveau de la famille, on a justement le chant de la baleine. Le chant de la baleine, il nous parle de l'émotionnel, l'intériorité, de ce que l'on a ressenti à l'intérieur et du souvenir. Donc, on peut parler justement des événements familiaux qu'il y a eu il y a quelques années, qui ressurgissent là, dans l'actualité en fait. C'est cette petite voix intérieure qui va faire que vous allez un petit peu remuer le passé. Vous allez aller à la chasse aux souvenirs, justement. Il y a une problématique qui est liée entre l'amour, le familial. Ça, c'est clair. On a un carrefour à prendre. On a une vision à avoir qui est différente. On a une prise de conscience à faire. C'est transgénérationnel, d'accord. Et là, du coup, il y a des souvenirs qui reviennent à la surface, d'accord. On a aussi la carte des femmes des bois qui nous parle de l'adaptabilité. Donc, se souvenir, replonger dans le passé pour voir comment je me suis adaptée, comment ma famille s'est adaptée, comment les femmes de ma famille s'adaptent. Voyez, on parle peut-être là de puissance, de pouvoir. D'être dans la soumission, dans l'autorité, vous voyez, il y a tout ça là qui pose question en fait, hein. Ok, sur le chant de la baleine, qu'est-ce qu'on y rajoute? Ben, la parole, voilà, et l'adaptabilité, le changement. Sur ce chant de la baleine, on parle des souvenirs, des discussions familiales, de comment les gens se parlaient avant. Quand j'étais petit, par exemple, je côtoyais dans ma famille, les gens ne parlaient pas des sentiments, des émotions, de l'amour, des choses comme ça, voyez. Donc, on va être dans cette réflexion de se remémorer des souvenirs d'enfance. Et ces souvenirs vont nous aider, en fait, à prendre conscience de cette petite voix intérieure qui peut-être me parle mal, tout simplement, hein. Cette petite voix intérieure, c'est mon enfant intérieur, et peut-être que en tant qu'adulte, j'entends encore résonner les réflexions, les remarques, que les obligations qu'on me donnait, qu'on m'obligeait à entendre quand j'étais petit, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça. Sur l'adaptabilité, eh ben écoutez, on est le changement. Donc voilà, la roue tourne, on est obligé de surfer sur la vague de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas.
Et cette forme d'adaptabilité, ça vous permet justement de surfer et puis d'être dans le changement. Quand on est dans le... Enfin, qu'est-ce que... Il y a une citation qui me vient là, c'est... les cons ne changent pas d'avis, un truc comme ça. Bon, bref. Vous êtes en capacité, en tout cas, les lions, d'être dans le changement, justement, d'être dans l'évolution. Vous voyez ça comme vous adapter, c'est aussi vivre, tout simplement. C'est pas compliqué pour vous, les changements, d'accord? Donc, on va parler du passé, on va parler de la manière dont vous vous parlez, peut-être. Quelle est cette voix intérieure que vous entendez, là? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Est-ce qu'elle vous empêche de faire des choses? Est-ce que, vous voyez, on est dans cette introspection-là au mois de septembre et on va trouver des solutions pour faire tourner la roue, pour prendre une autre direction, pour se parler un peu mieux, par exemple. Voyez, si on entend une petite voix intérieure qui nous dit « tu n'y arriveras pas, tu es nul, tu n'es pas assez qualifié », voyez, tout ça. Eh bien, ça nous freine pour arriver à accéder à des rêves, à des possibilités, à des objectifs de vie, voyez. Donc, on va faire ce travail au mois de septembre sur cette petite voie intérieure qui nous freine un petit peu. Ok, on va aller voir avec le Light Seers sur le côté professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions? Waouh! Le côté professionnel. J'ai le 2 de coupe. Ben c'est tout. Ok. J'ai le 2 de coupe. Regardez. Main dans la main, je trouve mon domaine, ma voix qui me permet d'être moi-même. Au mois de septembre, les amis lions, vous prenez conscience de cette petite voix intérieure qui vous freine. Vous faites ce travail de libérer quelque chose et de ne plus être soumis à cette petite voix qui vous empêche d'accéder à plus de bonheur, plus de joie, plus de mérite, plus de récompense, voyez. Et vous vous offrez le droit de main dans la main, c'est-à-dire je m'autorise à fusionner avec quelque chose, avec ma passion, avec quelque chose qui me plaît, voyez. Donc ça, c'est la carte du couple, d'accord. On parle d'amour, on parle de sentiments, on parle de désir, on parle de plaisir là dans cette carte, d'accord? Plaisir d'être à deux, de fusionner, de se réconcilier peut-être avec un métier, avec une voie, trouver sa voie peut-être, hein, d'accord? On va mettre une petite carte des miroirs dessus, ce qu'on a pour les lions. La santé. Réconcilier peut-être la voie qui vous permet de retrouver un soutien, une santé, une résilience, une sorte de guérison, voyez. Et oui, en fait c'est ça, c'est vous vous réconcilier avec vous-même en fait, hein. Ok, et ça vous permet de guérir et d'accéder à quelque chose de beau dans le côté professionnel. Magnifique. Allez, un petit cœur pour vous. Alors, pour ce mois de septembre, les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est celui-ci. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Pardon, c'est vraiment cette voix intérieure, hein. Il faut vous complémenter, il faut vous aimer, il faut vous donner de bonnes affirmations, les amis lions. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt.